Elle faisait des dessins de ce qu'elle voyait. Elle n'était pas mariée. Il n'a pas eu d'enfant. À 15 ans, elle a pu suivre l'école d'art. Elle est née aux États-Unis. Elle aimait beaucoup les couleurs. Elle était afro et américaine. Elle était la première femme à recevoir un diplôme d'art à Harvard. Elle habitait à Washington. Voilà, c'était l'atelier Anna Thomas. Voilà, en 2015, les Obama ont accroché un tableau de Thomas qui s'appelle La Résurrection dans la salle à manger de la Maison Blanche. Donc, et cette année-là, c'était la première œuvre d'art réalisée pour une femme afro-américaine à entrer dans la collection de la Maison Blanche aux États-Unis.